Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour une vidéo sur Bus Simulator sur PlayStation 4. Donc c'est parti, on se retrouve pour la création de la ligne numéro 35. Donc la ligne numéro 35 a été une quête également aussi. Donc maintenant, des moments que je vous fais une ligne, c'est souvent une quête. Utilisez les ou les conducteurs pour générer des revenus sur un itinéraire qui contient les arrêts suivants, tous les arrêts du ring. Steinek, max un arrêt. Westfield, max un arrêt. Exactement 8 arrêts, max durée du trajet 17 minutes. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup, je vais vous montrer le trajet que j'ai créé. Donc on commence par ici. Donc on commence directement. Chapelle de Steinek, normalement ça l'a compté parce que Steinek c'est Solin. Donc à mon avis, je pense que ça compte. Ça l'a compté. De toute façon, je peux pas faire mieux. Ensuite, on passe par ici, on arrive directement à Westfield, donc il demande cet arrêt-là, Westfield. Westfield, vous pouvez prendre celui-là ou celui-là, il me semble. Faut que ça aille dans la zone de Stenfield. Après, on passe tout droit, comme ça, nanana. On arrive ici, du coup, directement à Two Oil Alley. Directement après, on a Giant Alley, Rope Wilder Alley, Théâtre Wilton, Horsemeade Mill. Hayley et Punic Hayley. J'espère que ça a bien marché parce que tout à l'heure j'ai fait la capture, mais comme je suis tombé sur un trajet qui avait un arrêt de bus qui avait été supprimé, du coup ça n'a pas compté ma quête. Alors j'espère que cette fois-ci ça va compter. Donc c'est parti. Et faut, oui, comme je vous ai dit, faut faire un trajet qui fasse moins de 17 minutes. Donc moi il fait 16,53. Et n'oubliez pas également de faire d'avoir 5 chauffeurs sur cette ligne-là et d'effectuer tous les trajets en mode nuit. Ça n'oubliez pas pour cette mission-là. Il va falloir le faire. Donc c'est parti, on va se mettre en mode nuit, c'est bon. Démarrage rapide activé, oui. La caisse activée, voilà, c'est bon. Et simplifié. Donc j'espère qu'on va pas avoir de désagréments. Cette fois-ci. Non, c'est bon. Cette fois-ci, il n'y a aucun arrêt qui a été supprimé. Donc c'est parti, on y va. Je sais pas si on peut le supprimer, je vais regarder vite fait si on peut le supprimer ça. Le truc sur le côté là. Est-ce qu'on peut supprimer paramètres d'interface? Performance non, activé non, non, non. Élevé non, non. Bah on peut pas apparemment le supprimer. Audio non, commande non. Non, apparemment on peut pas le supprimer le panneau. Visibilité de la carte uniquement dans le bus. À la première personne. Toujours visible. C'est quoi toujours? C'est quoi la carte? C'est de la mini-carte. Jamais visible. Ah, bah voilà, c'était ça, non? Est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Du coup, on a plus le petit truc sur le côté. C'est ça que je voulais voir si on pouvait l'enlever. Du coup, je vais le remettre. Paramètres, parce que j'aime bien le mettre. Je mets toujours visible. Voilà. C'est la mini. C'est vrai que la mini-map sur le côté, elle est vraiment utile, quoi. Si on voit pas très bien sur le. On va s'arrêter là du coup. Pourquoi on va essayer de faire bien là pour avoir une bonne note? Malgré que c'est pour cette quête là, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne note. Bonjour. Alors, jour. Merde. Jour normal, un ticket. T'as fait la pointe, c'est bien. Jour normal, un ticket. C'est bien, ils ont de la monnaie. Jour étudiant, un ticket. Ah, bah toi, t'as pas de monnaie, t'es un étudiant. Je vais faire ça. Hein. Voilà, ça c'est plus simple. Je regarde s'il n'y a pas de fraudeur. Non, c'est bon, on peut y aller. Oh, j'ai mis mon clignotant. Pourquoi il a pas compté? Ah, ça y est. J'ai dit, mais il a pas compté mon point. On essaie de rouler pas trop vite non plus, ça sert à rien, on n'est pas pressé. Hein. On n'est pas à la pièce, on va dire. Comme diraient souvent les vieux, ils disent souvent, on n'est pas à la pièce, on travaille pas à la pièce là. On n'est pas aux pièces quoi. C'est une petite expression vieille, je trouve celle-là. Je vois s'il n'y a pas un dodane quand même, on va faire attention. Pas un dodane, mais oui, un dodane et puis un nid de poule. Il y en avait un sur la droite là. Oh l'autre, il a joué la meuf. Ah. Personne là? Personne. On peut accélérer.
Faut que je fasse gaffe, c'est que ma vidéo précédente, pas la vidéo précédente, mais quand j'avais fait ma capture, que du coup ça n'a pas compté mes trajets, faut que je fasse gaffe parce que bah j'ai failli me taper le train là, à un moment. Il faut que je fasse super attention. Aussi, c'est au feu rouge, j'ai pas grillé les feux rouges. Tout à l'heure, je parlais, puis j'ai grillé un feu rouge, quoi, du coup. Ah merde, tiens, j'ai pris un petit bus, le con. Oh merde, bah tant pis, j'ai pris un petit bus. Ah la merde. Tout à l'heure, j'étais parti sur le man. Bah tant pis, je vous ferai la vidéo avec le man sur la prochaine vidéo. Ah merde, fais chier. Qui c'est qui met de la musique là? Oh, oh, je ta mère ou quoi? Ouais, du coup, voilà quoi. Oh merde, j'ai complètement zappé de prendre notre bus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Oh, il fait quoi lui? Le mec il. Hey! Connard là! Putain! Oh l'enfoiré là! Putain, les gens, ils sont... c'est vraiment des brutes! Ah, je suis dégoûté de sa conduite de merde. Le mec, il sait même pas conduire, quoi. Le mec, il va aller déboîte comme ça, quoi. Je suis trop écœuré, quoi. Ça va que c'est ça va que c'est la nuit. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand bus, heureusement. Parce que là, on est arrêté dans la mer, sinon. Mais souvent, la nuit, ça, il n'y a personne. On est tranquille. Alors, semaine étudiant. Le mec il se croit chez sa mère quoi, il conduit comme Bah on va dire comme un jeune permis quoi, comme les jeunes permis. Mais ça arrive tellement ça franchement, en vrai. Ou les gens qui mettent pas la... qui mettent pas bien les clignotants dans les ronds-points, alors ça c'est tout le temps. Les gens faudrait qu'à bout d'un moment faut qu'ils repassent le code de la route parce que. Merde, tant pis. Il y en a ils savent pas prendre les ronds-points, franchement. Faut que je fasse gaffe ici, parce qu'il y a un train normalement. Bon, il n'y a pas de train ici. Voilà, ça va. On roule à rien vite, là, on est à 70, quoi. On va ralentir un peu quand même. Ça sera un peu con de se faire flasher. Je sais pas quel arrêt que tout à l'heure il m'a supprimé, qui m'a dit un de votre arrêt de itinéraire en travaux, du coup, ils l'ont supprimé. Hein. C'est ça qui a pas compté ma quête tout à l'heure. Là, j'ai combien d'étoiles, là? Bon, presque 4 étoiles. À cause de sa connerie. Mec, c'est même pas conduire quoi. Mais là, normalement, pour ces quêtes-là, normalement, ça compte pas les étoiles. Ça a pas d'importance, on va dire. C'est tant que votre trajet l'est fait, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je sais pas ce qu'a raconté la meuf, mais. Tourner à droite, là. À gauche, je veux dire. Ça va, y a personne la nuit, on est tranquille. Bah, par contre, je mets pas de musique parce que j'ai eu un droit d'auteur. Sur ma chaîne, sur une vidéo Bus Simulateur, en plus il y avait une musique qui est passée à la radio qui était en droit auteur, donc j'ai pas eu de chance. Du coup, bah c'est pour ça que sur une de mes vidéos, vous voyez quel son qui a été coupé. Donc j'ai supprimé, j'ai laissé la vidéo, je l'ai pas refaite, mais au bout d'un moment, vous voyez que le son a été coupé sur la vidéo. Du coup, au bout d'un moment, vous avez bah. En fait, j'ai supprimé la partie où il y avait la musique. C'est YouTube qui l'a fait tout seul. Mais le problème, c'est que ça supprime aussi ma voix. Mon gameplay sur une minute de temps sur la vidéo. Donc c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. C'était soit ça, soit ma vidéo, je pouvais pas la monétiser, quoi. C'est même si je gagne quelques centimes par vidéo. Mais quelques centimes par vidéo à chaque fois, bah, mis bout à bout, bah ça monte vite, quoi. Ça peut vous faire des. On va dire 10-15 euros par mois, quoi. Après, je sais pas ce que ça va donner avec la loi COPPA. Je sens qu'on va être dans le caca. Il y a plein de youtubeurs qui disent que les chaînes YouTube de certaines personnes peuvent être supprimées. Donc, j'espère que la mienne sera pas supprimée. Je serai un peu dégoûté. Normalement, non. Parce que c'est pas une chaîne où il y a des enfants qui font des vidéos. Donc, je pense que ma chaîne ne sera pas supprimée. Voilà, si vraiment ma chaîne elle est supprimée, et celle de Swan et Neo, ou même des vidéos de gamins là, si la vidéo est. La chaîne n'est pas supprimée, bah moi je te dis, je fais une réclamation YouTube. Hein. Je te poserai la question pourquoi ma chaîne a été supprimée, mais pas certaine.
Bonjour. May I have a ticket, please? Bonjour. Alors simple, normal, un ticket. 7 euros. Vas-y, t'aurais pu demander plus. Bonjour. Simple, seigneur, un ticket. Putain, ils font chier avec leur monnaie, eux. Là, je suis trompé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Putain, j'ai donné des sous à la dame. La vieille. Ok, il n'y a pas de fraudeur. Il n'y a pas de fraudeur. On peut y aller. Donc ça marche, ma petite technique. Hein. Je sais que je vais me répéter, mais ça marche. Oh, mais merde, il fait chier, lui, putain. Merde, tu peux pas descendre avant? Je vais vraiment attendre qu'elle aille sur la route, sur le trottoir, parce que... Putain, les jeux sont vraiment trop cons. Mais le pire, c'est que ça arrive, ça, hein, dans la vraie vie. Des gens qui s'arrêtent en plein arrêt, quoi. Enfin, gaffe au feu rouge aussi, que je me fasse pas avoir. Voilà, comme si, comme ceci. Là, j'aurais foncé, bah, je serais, j'aurais crié le feu rouge. Il y a pas mal de feux rouges dans cette section-là, faut faire attention. Donc là, il reste combien d'arrêts du coup? 1, 2, 3, 4, 5 arrêts. Donc oui, tout à l'heure, il y en avait un de supprimé, c'est sûr. Moi, je comprends pas voir, on a combien de temps, ça aurait été bien. Ça va, au moins 500, ça va. À cause de l'autre con là, tout à l'heure. Donc je vais vous faire cette vidéo là aujourd'hui et je vais vous faire une autre après, aussitôt comme ça sera fait. Et après je fais une vidéo sur PC Building. Et j'ai aussi la vidéo découverte de Titanfall 2 à vous mettre sur ma chaîne aussi également. La vidéo elle est capturée, j'ai juste à faire le montage et à vous la publier sur ma chaîne quoi. Oh, il y a deux bus. Il y a deux bus ici, putain. Ah non, il y a une personne handicapée. Bah non, je dis non, mais... Ça va me faire perdre un peu de temps, quoi. Il monte pas, non. Ah ouais, je me disais, merde, si le mec il monte pas, il se fout vraiment de ma gueule, hein. Et t'as pas intérêt à monter pour qu'un arrêt. Hein. Je te préviens. T'as pas intérêt à monter pour un arrêt. Ça va chier des bulles. La vieille expression, ça va chier des bulles. Oh, le vieux truc. Ça fait au moins des années que j'ai pas entendu ça, ça va chier des bulles. Ah ouais, nous, des fois, en Normandie, on a des expressions un peu bizarres. C'est pareil, l'expression que nous on dit souvent, alors je sais pas si vous la connaissez, hein, c'est quand quelqu'un raconte un truc et c'est pas marrant, et on dit bah ça casse pas quatre pattes à un canard quoi. Donc je sais pas si vous connaissez cette expression-là. Bah dites-le moi dans l'espace commentaire si vous connaissez. Mais après c'était pas que ma région, hein. Mais je sais que c'est une vieille expression quoi. Oui, je sais. Ah bah le mec il a pris qu'un arrêt. Putain, bah le mec, la prochaine fois, tu iras à pied. Hein. En plus, t'es mo pas motorisé, mais t'es sur un truc en roue, alors. Mec, il abuse, le mec, putain. Il prend juste un arrêt, quoi. C'est vrai que le jeu, il est bien fait, quand même. Hein. Quand on y regarde de plus près. C'est pas le jeu de l'année, mais il est pas mal. Regarde si j'ai fermé mes portes, de toute façon on serait été con de rouler avec les portes ouvertes. Non, on peut pas démarrer de toute façon avec les portes ouvertes, ça marche pas. Alors je sais pas si un vrai bus c'est pareil, si on peut vraiment pas rouler avec les portes ouvertes, ou si c'est un truc de sécurité qui bloque, bah, qui vous empêche de rouler. Oh, il reflotte. J'en ai marre, il pleut tout le temps en ce moment. Et nous ça fait au moins un mois, 2 mois qu'il pleut tout le temps quoi. Vive la Normandie. Et le pire, c'est que nous, il pleut tout le temps. Vous regardez dans le sud, il pleut une fois, ils sont inondés. Que nous, il pleut, ça peut y aller. Hein. Semaine, étudiant. Ah, t'as pas de monnaie. Ça va, 1 euro, ça va. Non, y a pas de fraudeur.
Faut que je fasse. En plus, je pense qu'on va pouvoir, directement aller au dépôt parce que bah, le dépôt il est pas très loin. Donc là, je vais quand même ralentir un peu. C'est bon, je peux y aller. Je préfère ralentir un petit peu que me taper le rouge, quoi. On y va. Ah, oh, bah merde, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est vrai, il y a la porte qui est... Ah oui, c'est vrai, attends. Je vais regarder après. Il y a la porte qui est... La fenêtre qui est restée fermée, qui est restée ouverte de la chambre depuis tout à l'heure. Oh, c'est bon, on peut y aller. Donc là, ça va être le dernier arrêt, à mon avis, celui-là. Puni Kylie. Peut-être pas, non, il y a peut-être un autre, je crois. Qu'il pleuve pas dans l'appartement, quoi, ce serait un peu con, quoi. Je vais quand même aller voir s'il pleut. Non, je pense pas qu'il pleut. Non, apparemment, il pleut pas. Je vais laisser quand même ouvert encore un petit peu, mais c'est juste pour laisser la fenêtre ouverte, parce que là, tout le monde est malade, comme moi je suis malade, tout le monde est malade à la maison. Si on peut économiser, si on peut vraiment débarrasser un peu des microbes. Mais là, je commence à aller mieux. Mon médecin m'a donné des cachets hier, donc ça va mieux. Mais je suis bien resté malade au moins 15 jours, hein, sans aller au médecin. Donc c'est un peu la merde. Puis c'est vrai que ces bus-là, ils sont vraiment mieux pour manœuvrer dans les petites villes, dans les petites rues. Ils sont vraiment mieux, je trouve. Ah bah tiens, putain, j'ai de la chance là. Ah, j'ai enlevé le régulateur, moi. Le con. Tente à me faire flasher. J'aime bien les bruits, on a les bruits d'ambiance, tout. C'est ça qui est bien dans cette version-là. Parce que la version PC était moins bien, je crois. Il y avait moins de bruit, tout ça. Ou c'est dans... Ah non, c'était dans Bus Simulator 1. Qui était vraiment moins bien fait, quoi. J'espère qu'il fera un nouveau. Bus Simulator... sur console, ce serait pas mal. C'est un concept qui marche bien, donc ce sera un peu con qu'ils abandonnent ce projet, quoi. C'est vrai que c'est pas un gros studio qui fait ce jeu-là. Donc là, on va pouvoir se rabattre. C'est pas loin. Normalement, c'est là qu'il faut tourner. Oh putain, je vais me prendre le camion. Là, de toute façon, si je mets mon clignotant, il y a un moment, ça n'a pas d'importance. En espérant, ce coup-là, mon trajet, c'est à compter. Ça, je vous fais directement l'autre vidéo. Faut que je crée mon trajet avant et puis que je fasse tous mes réglages, quoi. C'est mon arrivée. Hop, prêt! On éteint tout. Hop, on sort. Et voilà, on a fini notre trajet. Comment d'avoir une meilleure note que tout à l'heure? Ouah, presque 5 étoiles, nickel! Putain! S'il n'y aurait pas eu de collision, on aurait été bien, quoi. Du coup, en espérant que ça a compté. Voilà, c'est bon, ça a compté. Ah bah voilà. J'ai plus qu'à faire l'autre ligne à vous faire tout de suite. Je vous la fais aussitôt. Et je vous le trajet. Il faut que ça fasse moins de 27 minutes 30. Avoir un classement 4 étoiles et conduire en mode aller-retour. Ah ouais. Ça va être chaud, ça. Donc moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, porte-toi bien. Peace.